Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Il y a des productrices qui m'ont appelée. Elles veulent que j'écrive le scénario sur mes sœurs et mon père. C'est formidable. Je vais réaliser mon film. Mais c'est qui ta prod? T'as vu comme elle est mignonne? C'est le genre de femme... affreuse. Pareil qu'elle jette les gens dans les escaliers. Ça va être génial, on va faire une promo de malade. Mais j'en suis qu'au début de l'écriture. Mais ça, on s'en fout, t'as une histoire et c'est la tienne en plus. Et les actrices, on les signe tout de suite, sinon elles seront plus libres. On se fait chier. Très longtemps, on se fait chier. Pourquoi le père, il travaillerait pas dans un bar? Les gens, ils adorent les chevaux en ce moment. J'adore. Pourquoi il tiendrait pas un bar, le père? T'en fais un type un peu baroudeur, et puis les filles, c'est des filles qui ont des couilles. C'est plus moderne. Le rôle principal, c'est qui? C'est vous trois. Non, enfin, c'est toi quand même. Moi, je suis ravie, hein. J'ai toujours rêvé de jouer une pute. En même temps, comédienne, c'est un peu pareil. Oui, et puis ta version avec les trois radins, là, excuse-moi, mais je sais pas qui a eu cette idée. Je vais le faire pour toi, ce film. Je vais le faire pour ton petit cul. Mais dis-donc, bande de salopes! Vous croyez où? Quand la chatte est pas là, les souris dansent? Les productrices et moi, on est amoureuses de notre travail. Bah, bonne partouze, alors. Mesdames et messieurs, Pretty Girls et Pretty Boys, s'il vous plaît. Je sais que je peux compter sur vous. Allez, chez les fous. Vive le cinéma! Vous l'auriez vu sur son camion, l'autre, on aurait dit Napoléon.